Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité, le traitement par l'eau des boîtes, qui est disponible sur les profils qui utilisent le magasin de thèmes. Pour cette démonstration, je vais utiliser le thème intonation par défaut avec la base cliente du Genevois. Donc ici, on peut constater qu'il y a une boîte agenda qui a par exemple un carrousel avec différentes pages. Nous avons également une boîte bibliothèque avec un carrousel et différentes pages. Nous avons un mur de nouveautés et enfin des critiques qui sont également un carrousel avec trois pages. On va essayer de faire, ça va être de modifier ces boîtes agenda, bibliothèque et dernière critique en une fois et on va les modifier pour activer par exemple le défilement automatique. Donc pour ce faire, j'utilise la console d'administration. Je vais dans configuration de la page et vous avez ici la nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de sélectionner les boîtes que vous voulez modifier. Donc nous avions les bibliothèques, l'agenda, ainsi que les dernières critiques. Au fur et à mesure que je coche ou que je décoche, vous voyez ici, j'ai un petit encart qui s'est affiché et qui me présente que j'ai sélectionné ainsi que les actions que je peux faire. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être de modifier ces trois boîtes. Donc j'arrive sur un formulaire, tout d'abord grisé, donc toutes les cellules grisées donc dans chaque onglet, etc., ne peuvent pas être modifiées. C'est-à-dire que pour les modifier, il va falloir décocher. Par exemple ici, si je dis bon, bah, je vais les passer tout en carrousel à 5 colonnes, je peux faire ça. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas de ne pas toucher à disposition de la liste, mais d'activer le défilement de gauche à droite. On va mettre par exemple 4 secondes. On va valider. Donc ici, on a bien le petit message comme quoi nos boîtes ont été correctement sauvegardées. Nous restons dans le formulaire. On peut retourner en arrière. Et on a également les boîtes qui restent sélectionnées. Si je retourne sur mon site, que je rafraîchis la page, on va pouvoir constater le défilement sur les boîtes qu'on a choisies. La boîte agenda, la boîte bibliothèque et enfin la boîte dernière critique. Voilà pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.